La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer des choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris le courage dans l'engagement de servir la nation congolaise à travers le média. Boy, madame, monsieur, sur une émission, on a besoin de présenter le Rébino Congo Live. Comme vous le savez, l'actualité politique est beaucoup en République démocratique du Congo, donc on va parler du conflit qui continue toujours à nécessiter beaucoup de problèmes. Il y a des tueries, il y a des arrestations au sein de ces conflits-là. Est-ce que c'est le Kamboussou, niveau traditionnel, mais côté Marambabaï, politique, côté Marambabaï. Nous allons parler aussi des élections 2023. Le gouvernement rassure la population qu'il a déjà débloqué plus de 400 millions de financements pour qu'il y ait élections en 2023. Mais Baï politique, va compter toujours sur les élections 2023. Est-ce qu'il y aura bel et bien élections 2023 ou bien trop qu'il y ait un glissement politique dans la République démocratique du Congo? Et nous allons parler des affrontements ou bien de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où les zones de la Lélo mettraient à niveau rupture entre les FARDC et le M23, au Bakoloba toujours, que Rwanda va renforcer M23 avec le militaire Rwanda. Que dire de la présence de la force régionale au Mokonzamboka, à ce qui aide dans le pays voisin d'Abisso. Mais aussi, nous allons parler du président de la République, aujourd'hui, commandement, bien facilitation, au niveau de la République tchèque, où il y a pour ça la quai. Transition et qu'il y a du coup, est-ce que c'est un pari gagné sur le plan diplomatie? Parce que la RDC n'était plus considérée après plusieurs années, pendant les 18 ans du président Kabila, on peut le dire, parce que ces genres d'opportunités, c'est qu'elle s'est présentée sous soutien de la République démocratique du Congo. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que c'est un pari gagné sur le plan diplomatie? Ou bien Zaka Ramania a rechuchoté, bien encore ça, la RDC éloge pour qu'il continue à faire des choses dans la République démocratique du Congo. Et pour finir, nous allons parler de la situation qui gère Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, on peut dire, est gérée. Ou bien Kinshasa, ils arrivent toujours dans ma nengue, dans mon rosalé. Parce qu'on disait, on voit Kinshasa, c'est la capitale. Aujourd'hui, Kinshasa, ils a tellement géré d'une manière inexplicable. Sur ce plateau, nous avons le maître Loulou Douli, les cadres ou bien membres de l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes. Avant, il était analyste politique indépendant, mais aujourd'hui, il est membre d'un parti politique. Bienvenue, maître Loulou. Merci, merci pour l'invitation. Et puis, merci, Nava, manager, il y a Chen Abisso. Merci et pas naïo aussi une invitation au PC Panama et naïe qu'on répondre. Merci Maître Loulou. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, pourquoi d'abord le choix des ACDP? Vous savez, je devais appartenir à un parti politique parce que la République démocratique du Congo, dans son système actuel, si vous êtes indépendant, ben écoutez, vous avez des difficultés. Il faut faire 4, 5, 6 fois l'effort pour réussir ou soit pour peut-être émerger. Et nous avons compris qu'il faut appartenir dans un parti politique. Alors, lequel parti politique doit aussi exprimer ses valeurs, doit imprimer les valeurs? C'est ainsi que nous avons choisi ACDP, de Bienvenue Lyota. C'est un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Vous avez compris, quand je dis parti politique qui n'est pas au pouvoir, peut-être d'aucuns voulaient que je puisse, n'est-ce pas, transhumer comme les autres, ou soit carrément adhérer dans un parti politique qui est au pouvoir, qui est au mangeoir. Mais moi, je préférais être dans ces partis politiques parce que rien que les concepts, vous allez remarquer, c'est un parti politique d'abord chrétien, okay, et un parti politique des démocrates et des progressistes. Okay. Alors, dans ces concepts progressistes, il y a une réalité, c'est-à-dire nous ne sommes pas staticaux. Quand la vie sociale du Congolais, ou soit du peuple, demande à ce que nous puissions, n'est-ce pas, nous désintéresser d'un certain de nos positions, nous sommes obligés de le faire. Tout à fait. Et quand il faudrait se casser en mille morceaux pour rendre le sourire au peuple, nous sommes obligés de le faire. Nous ne sommes pas les staticaux, les conservateurs, nous sommes les progressistes. Mm-hmm. C'est ainsi que j'ai préféré adhérer à ces partis politiques. Et voilà, pour ne pas donner l'impression que je suis en train de chercher l'argent, ou soit je suis en train de chercher les postes. Mais je voudrais œuvrer dans un parti politique et avoir aussi, n'est-ce pas, l'expérience des autres. Parlant de l'expérience, vous allez remarquer, Bienvenue Lyota, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Kabila, certes. Tout à fait. Mais il est resté constant. Il est resté constant. Il y a eu transhumance, mais lui, il est resté avec Kabila. Donc, nous avons compris que ça aussi, c'est la loyauté. Ça peut aussi payer dans l'avenir. Voilà pourquoi nous devons défendre ces valeurs. Et les valeurs que nous défendons, c'est ce que nous avons retrouvé de l'autre côté. Nous avons adhéré. Ce que vous avez retrouvé de l'autre côté, vous avez adhéré tout justement en abordant la question d'actualité politique. Le président Félix Tshisekedi est désigné comme facilitateur au niveau République Tchad. C'est un pari diplomatique gagné ou bien Zaka Mania et pour ça, il comme d'habitude. Vous savez, poste où il occupé qui dernièrement, il a eu poste à Mounene au niveau Afrique. Mm-hmm. Azala qui est président. L'Union africaine. Voilà. Donc c'est là où on devrait peut-être voir directement les changements.
Est-ce qu'il a fait des déclarations en disant que cette fois-ci, on va passer maintenant en action, qui est de promesse? Dans le but que place où il y a le président de l'Union africaine, il y a le bien, non? Place où il y a le qui vraiment c'est bon. Papa, comme il PDG dans cette entreprise, il y a un peu de temps, il y a un. Donc, poste où il y a le canis, on pouvait faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Être facilitateur, médiateur à un conflit, ils ont quand même un point. Mais n'espérons rien à l'avenir naturellement. Vous allez espérer quoi? Vous avez encore notre président qui va être toujours obligé à Okinawa, soit il promet à Kuna, soit il va tchadier, soit il va bunda, soit il va tomber, soit il va faire des soucis. Entre temps, il y a un peu de problème. Papa, moi aussi, ça m'a dit que je suis un problème, je suis aussi là. Ça aussi, c'est un problème. Donc, parlant de poste, moi, je réagis par rapport au poste. Okay. Parlant de poste, poste où il y a Okipa qui est en Afrique, où il y a Makasi qui est Okipa qui est en Afrique, ils ont un poste où il y a Zalek Liboso. Oui, bah, si il y a un conflit, moi, je vais résoudre, tant mieux. Si vous voulez qu'il y ait une diplomatie, tant mieux aussi. Mais moi, je crois peut-être que bon, on a besoin d'impact, impacter la vie sociale à la Congolais. Impacter la vie sociale à la Congolais. Mais c'est ce qu'on pose la question de savoir. Dans le niveau de diplomatie, poste, on a vraiment pour ramener quelque chose ou bien pour ça, il y a un niveau RDC. Bon, poste, on a bien et pour ramener quelque chose dans RDC, c'est ce qui n'a pas de problème. Ok. Mais tu n'as pas de problème, il y a des gens qui ont été tchad. Ok. Okay. Voilà, donc les journalistes, il faut y aller. Tu n'as pas de problème avec les collègues Tchad. Donc, voilà. Tu n'as pas de problème avec les Tchad. Je n'ai pas de problème avec les Tchad. Mais dans Tchad, ils ont un problème. Ils ont confirmé que le pouvoir, le pouvoir, parce qu'il y a un canaté. On peut circonscrire le conflit à Tchad. C'est un conflit interne. Bien que le groupe armé a mis qu'il a déstabilisé Tchad, mais c'est plus d'abord un conflit interne entre politiciens. Et on va s'aller qui va bango dialogue na bango penandé na bango basali ba ou basala qui wana et dans la vie. Quand vous dites que tout ça va prendre quoi les quartiers, du fait de dire quoi? Parce que aujourd'hui la République démocratique du Congo est dans la voie de développement. Yuda jeune samné né. Oza jeune samné né mboka na biso yibi na. Donc toi on a pas problème avec les quartiers. Ça en tout cas na évité soko yibi ou bien journaliste a yibi na yima tout na ka keso ça musana. Nous avons des problèmes plus que Tchad. Expliquez un peu ce genre de problème quand vous le bakiba plus que Tchad. Nous notre problème est bandi bandaka. Et pour nous, nous avons une crise multidimensionnelle. Okay. Dans cette crise multidimensionnelle, il faut la concentrer pour résoudre les problèmes. Nous avons un problème interne, nous avons un problème externe. Et le problème interne, c'est l'accord cadre à Dissabé, ils ont recommandé que tout possible pour créer un cadre de concertation. Mais vous allez remarquer que manque à confiance les amis mutuels. Okay. D'abord, en 2003, dans le niveau à Sam City, au lieu de faire comme les autres, comme la loi classique et Sengaka, que les élections soient organisées par le ministère intérieur, le belligérant, les protagonistes, bah, ça ne va vivre jamais. Tout le cas, une institution a pris la démocratie, où ils allaient naître. Parce que confiance entre Ngana et Yosate. Donc, confiance, on a eu en 2003, dans Sand City, Tilelo, tout ça, dans le cadre, on a eu l'élection. Et élection. Et contestation, ils ont eu chaque fois. Bah oui, parce qu'il y a une opposition lobby qui conteste qui c'est ni ou à malou. Bah oui, parce qu'il y a un pouvoir lélo, bah ça dit qu'on défendre c'est ni à lélo. Bah oui, parce qu'il y a un pouvoir lobby, bah comme il y a une opposition lélo, bah ni qu'on conteste c'est ni ou ils allaient organiser lélo. Donc pour dire que ces problèmes, ils sont tellement cruciaux que s'il était manque à confiance mutuelle, tout ça n'a rien go, tout ça on dit manaté. Et particularité à RDC, tout ça n'a pas président Mibale. Ok. Président Mouaza légitime entre guillemets, Abi Kaza élu, et puis président Mouaza en fonction à Zosal. Donc voilà la crise tout ça. Et nous avons les alignés. Crise. Le président est légitime, mon voisin en fonction de ça. Mais on a une déclaration politique sur le plan constitutionnel. C'est une crise. On reconnaît que. Pays Moussous soit bien en haut, ils ont rébellion. Oui. Et Moutazo, ça, on ne faut pas qu'on aille. Mais cela montre à ce que la démocratie est vraiment non. Ça dit tout parce que quand tu fais tes déclarations politiques, c'est légitime, mais aux en fonction de ouais, c'est la démocratie. Les gens, basa maïe, basa la banalise, bah toi non. Bah il dit que quand on aille, les lieux posent des problèmes plus que qu'on résout des problèmes. On va tirer dans bangou. Mais au fait, le pays musulman s'est arrêté. Au moins il trompe à Mega Kiam. Les autres trompent pas. Au Samba, trompe à Mega Kiam. C'est les logos moraux bien à Joe Biden, Mikolo, Kaboyibi, Magamisa, la capitale, Boyibi, Ango. Tout à fait. Mais les autres trompent pas au Samba. Donc pour dire que aucun pays n'est normal. Mutumoko, balégi si président pour saluer le processus, nions sur l'équipe, ok, t'es à niveau cour constitutionnel et confirmer que président est aïeux. Alors on a la mouille dans ton habit que on a dans un président élu. Nambo va musuba au Kanga. Mais pas n'abîmer pas dégager la démocratie ça non bah baie n'abat mon coquin après avec que ce bah quand ils m'ont emballé on a problème mais où y a ma casse sous coléka y a un monde bah baie c'est à dire n'importe ce bah conflit pas ces alliés où on a conflit interne n'abat conflit interne on a tout tiki on a tellement trop tout qu'est-ce qu'on a conflit extérieur. Conflit extérieur c'est comme si RDC comme on dit moi place mon gros mouton sur l'ingéa besoin.
Oui, bah, statut à RDC. Aujourd'hui, je vous apprendre le statut à RDC. RDC est un statut particulier. C'est le seul pays au monde où il y a partenariat avec l'Union. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en 1908, si je m'abuse, si ma mémoire est bonne, il y a une convention au niveau Saint-Germain. Na Saint-Germain. Na Saint-Germain, na grande puissance union sur Basanganaki. États-Unis, Japon, Suède, Allemagne, France, union sur Basanganaki. La RDC est aussi participant au non, 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 tu dois participer, tu dois subir la décision. D'accord. Non, 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 tout à la Otobengi, liberté, il y a navigabilité, il y a bassin fleuve Congo. Okay. Na 1809 et 1908. Donc, le pays union sur Basanganaki, il y a un accord, il y a Saint-Germain. Okay. So, Talib ou Loukibo, oui, accord à Saint-Germain, c'est en 1908. Donc, toutes les grandes puissances basanganiki, ils ont parlé de la République du Congo. Et nous allons apprendre depuis nous ce qui en 1885, bah, Kabola qui vit en Afrique, mais il parle plus de la République du Congo. Il y a un qui en vogue. Parce que c'est le seul pays au monde où il y a un peu de monde. Le pays où il y a un non-France, il y a un peu de monde. Mais il y a un peu de monde. Il y a tellement de convoitises. Alors, convoitises, on est bandagé à partir de là. Il y a toujours subir convoitises. Il y a la République du Congo, c'est un pays solution. Tu vas comprendre ce qu'il y a. Et il y a un réseau qui va prendre un réseau sans qu'il y ait un réseau. Ils allaient résoudre. C'est à peu près ça. Mais avec la politique de Félix Antoine Tshisekedi, on peut espérer quelque chose que la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais c'est la plus grande solution. Si vous voulez gagner en République démocratique du Congo, venez d'une manière officiellement. Tout ça, le partenariat, il y a win-win. Vous gagnez 50, nous aussi on gagne 50. Donc avec cette politique, vous n'espérez pas que Félix Antoine Tshisekedi puisse changer quelque chose en République démocratique du Congo. Attention, il y a discours, non, réalité. Ça, nous sommes dans les mêmes discours. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, on voit 14 milliards point quelques. Vous savez, là, j'ai dit bravo. Mais les vrais problèmes, c'est qu'on mobilise la recette. Les vrais problèmes, c'est qu'on affecte la recette. Au cause, on a budget à moquer, mais quand vous affectez, très bien, c'est bon. Je donne l'exemple Angola. Angola, on a budget à 50 balles, 50 milliards, Angola. Pendant qu'ils sont au Botswana, on a 10 milliards. Ici, je félicite parce que hier, quand ils ont dit que Bazoki, Batumingi, Babouyaki, Palingakité, mais dans le mois de septembre, va réaliser. 11 milliards, quand bien même qu'entre parenthèses, tout ce n'est pas la pression fiscale. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que vous en avez besoin de beaucoup de gens pressé par l'opérateur économique. Quand on sait que côté Pékouna, bah, côté Arabie, dans le cadre de doing business. Alors, quand vous avez côté dans le cadre de doing business, vous avez dit, il y a un monde, ils en ont essayé, ils en ont fait, ils en ont fait, ils en ont fait, 184e pays au monde, Rwanda et Zaliboso. Place ça là, on a pas donc, dans le monde, dans le cadre de la classement, il y a Banque mondiale, auto bien doing business, bah tiens, la liste, bah pays, bah ici, c'est favorable pour nous ça l'affaire. Nous occupons 184e poste. Moi, Rwanda, c'est 69e, ils sont 184e poste. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions où l'opérateur économique, bah ça, on va investir, bah zo bien, bah zo ya, mais bah zo souffrir. Ça aussi, c'est un problème. Donc ça dit quoi? Nous devons éviter toute la pression fiscale pendant que bon, toujours soit bon. Tant que tu as un bon ordre de mission à terrain, l'État est en train de faire un terrain, mais bon, écoute. Tu as 10 milliards en septembre, tu as déclaré que c'est commis 11 milliards. Et nous osons croire que l'année prochaine, dans le budget, tu as atteindre peut-être même 15 milliards, même si tu as 20 milliards. Mais tu as la pression fiscale pour ce qu'on a dit. Et ça, c'est un peu. Aujourd'hui, je voulais interpeller le général Kasson. On a dit que tu as un temps pour y aller. Général, il appelle les services. Il appartient à l'autorité judiciaire de réquisition d'informations. Parce qu'un bulletin de service, c'est qui t'a arrêté ça, la moussala. Non. Encore, il y a un bulletin de service en haut. Arrêtez et appréhendez. On va arrêter l'opérateur économique. Tout ça, ils allaient impacter négativement dans le climat des affaires. Je parlais du climat des affaires pour dire que félicitations au gouvernement congolais, il y a qu'on mobiliser les recettes. Mais quand vous mobilisez les recettes, il faut mettre les mesures pour permettre le dérapage des arrêtés. Maintenant, il y a des dérapages sur les terrains. Donc, pour dire que ça aussi, nous pouvons être mal cotés. Et qu'on peut s'habiller. Et chef de l'État, vous avez pris les risques d'aller demander aux Américains de venir investir ici. Un Américain arrêté, mais c'est Joe Biden qui va agir pour crier. Mais ici, on va arrêter les opérateurs économiques comme des malfrats. Pourquoi? Parce qu'il y a général Gasson qui va signer des bulletins de service, qu'il va donner à ses OPJ, lesquels OPJ, entre nous, soit dit, ils ont senti que certains sont nuls.
Je l'ai dit, je m'assume parce que Nazamu Tokati, je sais de quoi je parle. Donc pour dire tout simplement que toi arranger Congo, pour n'avoir arrangé Congo, il y a tellement trop de problèmes, il y a tellement trop de crises et il faut tout pour tout mettre à l'ico finalement ça corba qui magambo kala totika. Bon, moi je parlais des crises internes au Kotinga na kata lisolo na tchaki entre parenthèses pour dire que crise interne tu éviter ma crise inutile. Okay. Aujourd'hui, je voudrais aussi féliciter namona qui rapprochement ba leader ya makasi ya mboka na biso entre autres namona qui Kabuya avec le secrétaire avec Nani Shadari. J'ai vu aussi Devos. Bon garder contact wana, bon garder cadre wana, ça peut nous aider demain pour nous stabiliser mboka. Totika lolendo ki biso to soko ki déjà tous aussi ça makama Congo. Non. Congo est tellement vaste, même Léopold a joué qui t'a aussi sa montée. Léopold 2 a joué qui t'a aussi sa montée. Ce n'est pas bino de aussi sa montée. Donc ça dit continuité. Au sali, au tiki, n'a pas eu au balaye, au sali, t'en a eu au continuer na au sali. Voilà ce que nous demandons. Donc il y a un insisté que Makamba Tchad na RDC, RDC, Makasi Koleka. Makamba Tchad na RDC, RDC, Makasi Koleka. Quand on parle toujours de la RDC, il faut toujours réfléchir sur le problème de Kwamutu, tout comme de l'Est de la République. Parlons d'abord de Kwamutu. Aujourd'hui, conflit interne. Il y a un niveau commun, ils ont nécessité beaucoup de problèmes. Il y a des tueries, ils ont continué, il y a des arrestations, ils ont continué. Est-ce que tout le monde a des problèmes et le moins d'un niveau ou bien traditionnel, le commun à niveau politique, parce que ça risque même d'affecter Kinshasa. Ça fait un problème, il y a quoi monte, tout le monde a la fois passé, conflit batte qui umbu, tout le monde a la fois passé. Je veux vous dire que c'est un vrai faux problème. C'est un vrai faux problème. C'est vrai, mais c'est un faux problème. C'est-à-dire faux problème dans le sens que gouverner, c'est prévoir. Okay. Nous avons déjà vu, et puis dans ma pays, à quoi nous sommes sur la République, vous allez sentir que ces problèmes-là commencent déjà. Mais on dit gouverner, c'est prévoir. Il faut que nous ayons panza. Lui qui a dragon, tant que nous avons un lui qui, un embryon. Kolingati qui a collé l'année dans nous, a mélané dans nous, miliki, a collé, l'objet au sein de Makila. C'est ça le problème de conflit. Il y a des conflits, nous sommes au ministère de l'Intérieur pour prévenir. Et il y a des. Il faut que la commission soit la prévention de la crise. Place où il y a déjà tout fait. Na RDC ces années on a été Kwamutu tout ça na porte à Kinshasa. Tout à fait. Les lots qui yindi na Kinshasa, oh t'es bat main noire. Mais vous voulez voir la main blanche où? Na kate ba crise, ba conflit main blanche et la rate, ils arrivent à main noire. Et il faut que tu aies un ami tout que pour main noire et agilité, il faut empêcher crise et comme en réalité. Alors bien besoin de ces crise, besoin de faire endormir les gens. Qu'on les a mis un problème ba conflit à Mikemike. Parce que ba yakana ba teke bo fandi kala bisika moko. Bo bundate. Et Bolobi Bokangi Minduki. Dis-moi un peu. Bango Bazu Minduki Wabi. Ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'on pose la question de savoir, est-ce qu'il y aurait un niveau traditionnel, comme est-ce qu'on a un niveau politique, parce qu'on sent qu'apparemment, il y a des infiltrés au sein de ces problèmes. Je voudrais profiter aussi de lancer un message dans la communauté internationale. Quand vous laissez la République du Congo dans l'instabilité ou dans les Arango, vos ennemis, là où ils vous combattent, ils vont venir s'installer à la République du Congo calmement. Ok. Bah, djihadistes, c'est besoin de l'Ukaba. On a besoin de faire la RDC, parce que RDC est communauté moi non-État, dans l'Est. Où tout le monde est là, peut faire ce qu'il veut. Alors, tout le monde doit rétablir l'autorité à l'État. Qu'on ne peut pas rétablir l'autorité à l'État. Les problèmes, ils ont là, problème, il y a Mabélé. Le problème de Mabélé, c'est le problème qui est beaucoup dit. L'autorité coutumière est vivante en reconnaissance à l'État. Tout à fait. Pour que l'État reconnaisse, il faut qu'on calque par rapport à la loi portant statut à la chef coutumier. Effectivement. Quand tu es en dehors de ces lois, l'État va reconnaître l'autorité. Alors, ce que l'État reconnaît, c'est qu'on a le droit de proposer un acte. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'autorité de l'État. Donc, ça dit, quand tu viens chez moi, on a dit que moi, je suis un peu plus de documents qui sont à Kala. Parce que les Belges avaient dit qu'ils étaient à Belge, je suis Belge. Et puis, ils ont dit qu'ils avaient un problème d'esprit. Ils ont dit qu'ils avaient un problème d'esprit. Et puis, ils ont dit Zamba pour ani parce que ba pesa ki ba to amboka zamba po ba lona ba buka. OK. Mais ba pesa ba mon abilité. Aujourd'hui on commence à parler ba chef de terre. Mais chef de terre ça déformation, il y a une réalité. Chef de terre n'est rien d'autre que chef à zamba parce que ba clan est fondé bisika mo. Ba famille est fondé bisika mo, c'est ba clan. Tout à fait. Ba clan on bazaki na ba terre bazako fondé, ba terre coutumière. Cette terre coutumière et appartenant qui a bangote, ils étaient que des simples gardiens et des simples jouisseurs, bazo jouir. Parce que selon charte y a charte foncière où ils ont signé et pas le et pas le roi na Vivi Vivi Zali capitale à Liboso à RDC charte on est à 1806 charte on est le bagui bouza dans des articles et le bique Mabélé nyonso où ils allaient vacante ils allaient à la couronne couronne ça dit roi parce que roi mutazaki propriétaire y a RDC c'est le cadre de la reconnaissance internationale et à l'obibouy bah on va faire ni le couronne Mabélé wana
bali ba benga ba indigène bali na droit ya kubuka kolona kofanda me ya koteka te et puis moto moko akolongola bango wana te so ezali l'état yimo kote yango l'état tika ibango bisika wana alors na kotika ka bango bisika wana et permettait ki bango ba lona ba buka me ba teka te aujourd'hui l'état kangi misu akomi na ye dormeur a komi na ye na ko benga momo ko bien te sino pango bazaka bien te na ba moso bengi bon bien te balukio donc na tsuka ka wana l'état komi ne dorme goy goy oleka fongola miso a comprendre que mabele wana zaka ya ye mais ba to fani likolo wana ya fani si bango ba fanda ka balona ka babuka ka bateka te aujourd'hui il y a un concept mauvais concept bimi ya chef de terre ces chef de terre croit que mabele komi ya zoteka okay car les alaki omoni ke zamba o zamba ba koko na biso et là qui m'a belé mes zamba ba koko na biso on parle de mabele ce qui yonanga to sangani Congo mobimba to bi ke Congo ezambo ka ba eza mabele ba koko na biso mais quand tu es dans ton village mabele yo fandi wana ko benga ngo mabele ya binote lo ba zamba o bisika to fandi eza ya biso ba pesi biso to fanda awa mais to wana droit ko teka ngote l'état yebisa ba chef coutumier nyonso ba ko teka mabele te a moins ko zana document o l'état pesio place conflit bandi bisika alors bande ko na biso ba tegi oya awa oui qui cherche ça qui en bango effectivement tant bazo pousser un espace na niveau ya sayo ya qui espace ya qui réservé ya bateke mais bazo te kamo soba pese bango 3 hectares pour place on ezagi semble tu 2 hectares Mouzé Laurent disait Gabila ayuka ki kole na bateke il faut ça la place moto bengi centre culturel ya bateke pour ani ba kolo ki chasse ya bateke alors système a côté ka teka mabele ya moni ba kolo ba teke musu ba komi ba commission ba komi ba locataire na ki chasse alors ba réservé ki mo place wana ezagi ya bango cimetière ya bango. Mais Mouza lobi bozo a 3 hectares bo pesa bango 7 hectares faut ils ont un compte à l'état en tout cas conflit on a ndenge na ebeli yango yango effectivement et les loyo culture place ba pesa ki bango ba tala kende ba oteka donc ce que coach explique à côté comme belé corps monsieur exacté c'est ça que tu as même na niveau territoire na ngana monde les gens bati ki pêche bati ki bilanga bango oteka comme belé na ici bango ki oteka comme belé pour ozala neti bateke umbu pour me tuana au niveau kuni ça peu près ba problème wana okay tant ou muteki ake kota bayaka bayambi comme tel yo ye pananga nga na za muyaka yo za muteke uye pananga yo biki espace na za na besoin d'exploiter problème de la quité 60 ans passé 50 ans passé 100 ans passé bazay na problème té fanda oza congolais ozo reconnaître nga uye pananga opesi nga banda koti yo shiko boti bana OK oboti première génération deuxième troisième yo za soutien soki respect o yo za la kina ngo e pananga respect o nga na za kina ngo e pana yo bana na biso lelo bazana ngote. Toi, tu vas dire quoi? Tes enfants vont dire quoi? Écoutez, mboka bakoko nanga. Oui, pourquoi ni va mboka bakoko nanga? C'est parce que yo boti bana wana. Bana babotami wana. Mais attention, locataire, ato mena nanda bayer, au fond de 100 ans. Ozaka locataire. Ozaka locataire. Mais na mutu na biso. Biso a lelo to ba gimbe ngona te. Conflit bandi place. Conflit moka muke. Oyo peut-être autorité provinciale a ko s'imposer à une solution na bango mais atiki. L'État congolais est en train de faire ce que nous appelons la politique d'Autriche. La politique d'Autriche. Danger Zoya, à qui maté, à résoudre les dangers, à Zumutuna, à Tiena Samabele, pour danger les cas. Donc c'est ce que l'État fait. Est-il l'État à la mouque, c'est trop tard. Crise, c'est comme un niveau et comme un niveau. L'élo crise est comme une crise générationnelle. Et comme une crise, c'est génération à génération. C'est comme un touche, c'est fini. Or, c'était facile à résoudre bien avant. Na ba kochaka ba loi na ko s'imposa ka mboka na biso ba s'imposa ka. Et donc on peut espérer rien au niveau comme une telle crise moko et retika la éternellement peut-être oyo ba boyo kanate ou bien changement régime ou trop espérer résolution totale na niveau ya commune. Ndeko crise ya solo ici la na makanisi ya batu. OK. So bo fani si crise na kati ya makanisi na bino c'est fini génération en génération. Ba boum ba teki ba nani ba utu na ba utu ba tuchi na ba utu. Vraiment je suis désolé de vous dire hein. Mais du moins, il y a des bâtouts, 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 des l'état congolais zinga ko bata ozala bisika o ifale azalati c'est ça l'état congolais de baba ki mutu musu azawana place a kosa kate place a kosa te place ya kosa ka ndenge moko na l'état congolais aujourd'hui tous ces gens bazana ba document lelo so hotel yo bazo buka ba place kingani ba obuka mais so hotel bien muta pesi ba document za l'état congolais. L'État par entremise va préposer un conservateur à titre immobilier. Mais un conservateur peut engager sa responsabilité, soit qui est en dehors de la loi PC. Vous avez une mission. Soit l'État peut une mission à exécuter au Saliamo très bien, aux a sous-couvert à l'État. Mais quand tu es allé faire au-delà de la mission, l'État peut y aller. Ok, aussi préposer même à titre. Est-ce que vous avez aussi préposer à titre des infractions pénales? Il y a un conservateur qui est en train de faire. Et aujourd'hui, vous allez dire, tu as beaucoup de place, nous sommes à PMI. Ok.
Cette logique, nous soutenons. Boboukou a pu parler de la nation, ils ont appelé Namaï. Ah, mais oui. Parler de la nation, ils ont appelé Namaï. Ils ont appelé Namaï. Ils ont appelé Namaï. Boboukou a pu appeler. Donc, est-ce que vous avez dit dans Shanghai, Banda, vous avez dit dans Katiamaï, qu'est-ce qu'ils font pour nous à disposition? Bah, il dit, oh, bah, on va ça là. Donc, il faut qu'on prévienne dans ma communion. Vous allez limiter. Vous allez dans le Congo, 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 vous allez dans le Congo. Donc, ceux qui verraient dans la RDC, c'est fini. Deux mois, ceux qui combien de mois, ils verraient. L'État congolais, la mouka. L'État congolais, la mouka. L'État congolais, ça, moussala. Moussala, moussala, il faut que vous sanctionnez les bateaux, il y a eu nakati. Vous allez remarquer que les comportements vont changer. Il ne faut pas chercher seulement à faire punir le peuple. Batoua tongi, pembe na maï. Mais batonga, mon colonie. Volbani, qui est au batonga, tango, le régime akala. Bino, vous savez combien de temps? 4 ans. Vous auriez peut-être trouvé une solution. Donc, je suis d'accord avec vous, hein, monsieur le gouverneur, vous pouvez parler de la nation Pembe na Mai. Vous êtes d'accord avec le gouverneur Gentil Ngobet. Parlons de l'affrontement FARDC M23 au niveau de Rutshuru. Le M23 vient d'être renforcé par l'armée congolaise même, et par l'armée rwandaise plutôt. Mais l'armée congolaise a qui sollicité par force régionale. Qu'est-ce que de ces forces régionales dans l'Est de la République démocratique du Congo? Vous savez, pour la crise, où les gars, à niveau, il y a des difficultés dans le niveau Est. La RDC est le pays où ils ont bénéficié du droit. Ils ont bénéficié du droit. Ils ont droit international public. Il y a un principe. Le principe, c'est un principe qui a intangibilité à la frontière. Ça veut dire que les frontières ne peuvent pas bouger. Les frontières où il y a Kalao, il y a eu place frontière. Il y a eu une autre frontière. Et ce principe a comme conséquence. Au cours de la frontière, il y a un pays qui est faible que la faiblesse. Il y a un pays fort, il y a un pays voyou parce que l'autre est faible. Okay. C'est ça notre cas. Quand vous dites que la République de Congo est faible, ça va, je suis d'accord. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes faibles, nous ne sommes pas protégés. Nous devons être protégés dans le droit au tobing, dans le droit international public. Et public. Où est le lobby qui est monté dans le monde? Frontières, les frontières sont les héritages où Bakaboula qui sont allés quitter. Tout à fait. Ce n'est pas aujourd'hui Rwanda qui va remettre en cause. Non. Et voilà pourquoi dans le but que Kokonabi nous n'avons Kokonabi sur Bako Kabola Mabélé, besoin de la frontière. Il y a Mabélé qui besoin de la frontière dans mitou na bango. Au moment où Kokonabi nous avons mis sa banane à Biso, Bokéba, Mabélé n'anga tous amba n'anga isukia. Kune zagazamba baninga Boko tate. Ata vie des gens qu'on a battu basati Boko tate. Okay. C'est comme ça dans nos villages. Village à Kala les loté pour les loté Biso sur Bavoyou. Donc voilà pourquoi dans le but que ça nous devons enlever cet esprit à voyoutisme dans mitou na Biso. Rwanda est à la limite. Et c'est parce qu'il semble-t-il que nous avons soutenu la instabilité dans Rwanda. Mais s'il faut régler ça, tu peux régler calmement. Nous aussi, nous disons que Rwanda peut vous soutenir tout le monde dans l'instabilité côté de la. Est-ce que tu peux faire la bicyclette pour résoudre définitivement? Ou bien carrément, tu tiens mire. Si tu tiens mire, tu es à l'aise, tu es à l'aise. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est l'hypocrisie à la communauté internationale qui va nous demander, tout que nous avons un M23. Nous leur disons que M23, ce n'est pas un bon interlocuteur. Pourquoi c'est un bon interlocuteur? La fois passée, tant que Paul Kagame qui est dans Luanda, qui est dans Félix Tshisekedi, dans Lorenzo, M23 est une déclaration. C'est vrai qu'il y a M23 dans la déclaration de Saraki. Il dit que tous les engagements où Paul Kagame est dans Luanda est un bisoté. Je dis, ok, d'accord. Alors aujourd'hui, quand vous nous demandez tout cela, on a M23. Nous ne voulons pas tout cela, M23, parce que M23 est un valet, est un esclave à Paul Kagame. Esclave à Paul Kagame. Voilà, nous voulons parler avec Paul Kagame, qu'il nous dise réellement qu'est-ce qu'il lui veut. Ce qui a lobby qui est bisous tout ça danger pour naïe. On va faire en sorte que tout commence sous danger pour naïe. Mais le problème, c'est le problème de l'intérêt à RDC. Okay. C'est que la RDC représente la communauté internationale. Aujourd'hui, Rwanda est classé parmi les pays producteurs d'or, de minerais belés. Mais allez-y dans la terre à Rwanda. Toi, dans la géographie, tu as une classe. Place de minerais dans le monde. Dans Rwanda, tu as disposé de la Rwanda. Rwanda, aucune machine, aucune industrie extractive dans Rwanda. Ils ont ça, or, diamant, cobalt, bloc, belé. Mais Rwanda est classé parmi les pays où ils allaient produire des diamants. Et ça, Rwanda, nous avons une RDC. Nous avons une RDC, il faut que tu aies piscose côté où on a comme ça, la population qui m'a pas au salaire.
Mais que dire de force régionale OEN pour nous soutenir FARDC? Parce que le FARDC, c'est à Moko. Force régionale, les ont à Congo, précisément dans l'Est de la République. Mais quand vous parlez de force régionale, moi je parle des droits internationaux publics, ils ont protégé tout le monde. Dans le cas de nous sommes dans un système, il y a les Nations Unies. Posez-vous la question, qu'est fait la MONUSCO en Bunanti du Congo? Ça, c'est la vraie question. Mais quand le secrétaire général de la MONUSCO a dit que les rebelles à M23 sont mieux équipés que les forces armées congolaises, tu sais que ceux qui savent, il faut qu'ils aient. Ils peuvent mieux former que les MONUSCO, les Népalais, les Irgoyens, les autres qui ont histoire de guerre. Voilà. Donc, pour dire que M23 a mieux que les communautés internationales réunies, pourquoi est-ce que vous nous demandez de nous soutenir l'Ukraine? À partir du moment où vous avez l'Ukraine presque comme okay. Toi, comme on a l'Ukraine, l'Ukraine, il y a agression. Vous parlez de l'agression là-bas. Chez nous, vous êtes incapable de prononcer le mot agression. Vous aussi, comme ça, nous aussi, nous vous demandons pourquoi on a Poutine. Pourquoi on a Poutine? Parce que pour nous, Poutine est agresseur. Pour nous, Rwanda est agresseur. Alors, vous nous demandez pourquoi on a bateau Rwanda pour soutenir. Nous aussi, nous vous demandons pourquoi on ne parle pas à Poutine pour la solution. Pour l'Ukraine, guerre ici là. Mais vous nous demandez tous à la Simanabino. Alors, soyez aussi derrière nous. Et entre la communauté internationale, c'est de l'hypocrisie. Et aussi, dans un concept, on appelle ça toujours en partage, il y a l'opiniocratie. L'opiniocratie, c'est un système politique où il y a travailler plus dans l'opinion à peuple. Okay. Quand le peuple s'exprime, les décideurs sont obligés de récupérer pour y permettre à ce qu'il soit décision. Donc, ça dit pour dire l'opinion du peuple impacte les décisions. Alors, si aujourd'hui, l'opinion internationale, à côté de la communauté internationale qui est hypocrite, pouvait faire une pression à la communauté internationale qui est l'ensemble de décideurs. Vous allez remarquer qu'ils vont trouver une solution pour la République du Congo. La fois passée, nous avons tenté. Il s'est passé une chose en RDC. Bon, mon ami, il y a l'Est, il y a Tomboka, il y a la petite barrière où ils ont entré en Rwanda. Et qu'on appelle en Rwanda, il y a Tomboka qui, parce que pas c'est les cas qui, non. Il y a décidé de faire ça. Il y a un peu de la barrière comme ça, pour sentir moins avancé, ça, la magie. Peuple, il y a un Le peuple là se prendre en charge. Le peuple, les deux peuples, je parle de peuple. Okay. Peuple congolais, peuple rwandais, il faut se prendre en charge. Parce que ce qui se passe, même nous, on ne comprend pas. Pourquoi Batoubazo Koufa? N'a place pour la solution facilement. À 21e siècle, toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas 22e siècle, il est là. Bozo Boumanaga, il est là, il comprend. Il est là, Rwanda, il RDC, il est Rwanda. Attends, on ne comprend plus. Peuple, vous se prendre en charge, vous allez remarquer que c'est la solution pour Namboka Nabisso. Le peuple va se prendre en charge pour la solution pour Namboka Nabisso. Les amis, Maloubaya, Maître Loudoulia, il est cadre et à parti char à bienvenue de l'OTA, ACDP, Oyo, à quoi exercer Mikolo, Oyo. Tout bête, ma solution concernée d'abord l'élection 2023. Le gouvernement congolais rassure la population qu'il a déjà déboursé plus de 400 millions de dollars pour l'organisation des élections. Il est déjà à 60% du financement des élections. Mais Bino Bailly politique. Est-ce que vous espérez vraiment l'élection 2023 et ça la respecter dans les délais constitutionnels? Tu peux avoir de l'argent, plusieurs milliardaires, sur le Mobala. Moi, on a eu le Mobala. Ok? Donc, moi, on a eu un milliardaire. Il y a un peu de ça, la famille, moi, ça, nous, Mobala. Pourquoi tu as une famille, nous, Mobala, à part moi, on a eu ça. Il faut que tu aies une famille, on a eu un programme, la famille. C'est ça, les élections. Les élections, ce n'est pas un acte unilatéral. Okay. Et c'est un unilatéralisme, il y a décision. Et c'est une grande concertation. Parce que nous sommes dans un système de concertation pour organiser l'élection. Effectivement. Nous sommes toujours dans ce cadre-là, on a bien dit tout à l'heure à Korbaké, nous nous appuyons à une structure indépendante, naître pour organiser l'élection, à l'instar à pays où nous sommes utilisés à ministère intérieur. Donc ici, je demande à ce que les gens comprennent. Nous ne voulons pas demander à ce qu'on puisse faire un dialogue qui va avoir comme conséquence partage à la poste, non. Si ça peut arriver, tant mieux, ce n'est pas la première fois. Mais nous voulons avoir un dialogue pour l'organisation des élections. Les élections doivent être apaisées. Pour que les élections soient apaisées, il faut que toutes les parties concernées, base à la Bissika Moko. C'est ce que Kabila fait en 2016, tant à ça, la prolongation, tant à commune en 2018, il y avait fuite pour dire que Kabila voulait encore prolonger. Mais tellement pression, les gars, ils m'ont cassé Kabila, t'es allé à non. Là, il y a un système, il y a machine à voter. À un assistant machine à voter, nous tous, même moi, nous avons dit niet. Parce que ce n'était pas fiable. Organiser les élections par machine, ils avaient fiabilité. Parce qu'on voyait déjà. Tout le monde a déjà le quota. Mais vous voyez que l'élection, ça, il y a une RDC dans la machine. Oui, oui. Mais c'était quoi? C'était un lobbying? Non, ce n'est pas un lobbying. C'était une démarche. Approche au Kabila Zoua qui peut permettre à ce gars tout le monde baya. Et tout le monde baya qui, quoi, l'andaye en ligne à l'élection par machine. Tout ça, il y a l'élection par machine. Nous qui voulions avoir
quelqu'un d'autre est passé pour tout ça, la Makélé. Et nous avons été pris par court. Et c'était Félix Tshisekedi Mutalégagi. Et Makélé le Silagi. Parce qu'on entendait à Tshisekedi Shadari à l'éca. Dans le dispositif à machine Batiaki. Parce que nous, on nous disait qu'ils avaient déjà programmé Shadari premier. Tu fais une chose, on te dit, ah, ce que Mekika n'a pas inde inde. Mais tu fais une chose, il te lit président. Félix Tshisekedi. Tu fais une tout le monde calcule tout ça qui n'a pas inde. Donc, pour dire qu'il a fait un effort pour contourner une réalité au Bissot Ozelaki. Alors, pouvoir en place, vous pouvez mettre beaucoup de milliards pour organiser l'élection. Mais c'est comme une femme aux Ozoaï Nambongo. Basi Moussouba Kouer à Nambongo. Mais basi Moussouba Kouer à Nambongo. Tu peux avoir beaucoup d'argent à l'ingioté. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que les élections, il faut que tout le monde soit là, au béni tout le monde en concertation. Le lendemain de Zanatinate, et Zako Fanda. D'après vous, vous vous proposez de faire la concertation, voire l'organisation de l'élection avant 2023. Donc, vous souhaitez concertation avec tous les acteurs. Ah, mais il y a une mobile à moi, on a un peu de donc, il y a une famille, on a un peu de solaté. Donc, il y a une famille, on a un peu de l'élection est organisée par la CENI. La CENI a de la financement au gouvernement. Ce gouvernement est débloqué, c'est bon. Concertation est nulle. C'est un site où il y a un dispositif pour le gouvernement pour la contrainte. Parce que quand. C'est que le politique n'est pas bon. Tant que le président a maillé les makassi, il a maillé les makassi à CENI, au Tchaki Mbaloy, expert au Tchaki, il a maillé les makassi, tant qu'il y a des contraintes. Pourquoi il n'y a pas de contraintes? Expert, il y a des contraintes. Est-ce que ma contrainte a une solution? Non. Ma contrainte est parmi tant d'autres, il y a une sécurité, il y a un moyen de financement, il y a ma caméra. Mon frère, il faut financer dans les temps. Il ne faut pas financer dans les contre-temps. Okay. Quand vous financez dans les contre-temps, vous êtes pour ma œuvre. Tant que vous avez une bonne élection, c'est tant qu'il faut passer une bonne élection. Et les qui a pour obtenir une bonne élection, obtenir ça qui est bon. Non, les élections s'organisent, se préparent, n'a jour la prestation. Quand un président prête serment, il organise une élection par amour. Mais quand il n'a tenu moi ça zo botaki, ou bien que moi ça botaka dans 9 mois, yo foi na yo, un mois foi na yo, tomi na 9 mois foi na yo, ou bien nzamba kotala. Au sommet le corona na sommet nzamba kotala, mais attends, au robot dans nzela. Il y a un tout se prépare. Qu'est-ce qui se prépare? Mouta ko sauter. Les élections, ils allient la seule matière où ils sont engagés. Tout fond d'abisika moko na bato mayele, na bazoba, na bizengi, na bato makanda, na bato agenti. Tout fond d'abisika moko. Poto yoka. C'est ça les élections. Les élections, c'est pas gérer ministère Kingani. Non. Les élections, c'est la seule matière qui oblige à tout le monde à abisika moko. Sinon, organiser un yomoko, ogobima yomoko, et puis ogodiriger mboka na défi. Mais or, nous voulons que les élections qui seront organisées par le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ils ont la meilleure élection. Dans l'élection de tout ça là. Les élections organisées par le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ils ont la meilleure élection. On ne peut pas finir cette émission sans pourtant aborder la question qui gangrène la ville de province de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la ville de province de Kinshasa est gérée? Vous savez, ce qui est vrai, que les gens comprennent que la situation où toujours les gens niveau ville province de Kinshasa ont été d'abord inondation, ils ont les conséquences, il y a dérèglement climatique. Dérèglement climatique. Ça, il faut être honnête. Dérèglement climatique. Dérèglement. Dérèglement climatique. Dérèglement climatique. Ok. Donc ça, il faut être conscient. Vous allez remarquer dans le monde entier, il y a des inondations de ça. Dans le monde entier. Ok. Même dans le monde, ils allaient organiser les inondations de ça. Mais sauf que on a la possibilité de réduire le risque. Et aussi, nous avons pu avoir la possibilité de la réparation. Okay. Parce que l'État en a moyen. Ouais. La rubrique où l'État a un budget, la rubrique où tout touche à côté. Mais il y a un autrement. C'est ainsi que nous avons tout possible de diminuer le train de vie à l'institution. Bon, bon, papa, il y a une catastrophe. Et ça, c'est une catastrophe, puis ça va être l'eau saute. Non, on a besoin de l'eau sauter. Bah, ça, une catastrophe, bandako na bangui boukani, boyeko zone sa bandako. Et puis, bozu ba disposition à prévenir, ni ni toko sala. Ça, c'est important. Mais au moins, on a pu se voir, tozo tamou la, tozo sala évaluation, ni tamou na ki ba o tamou la ba o sala évaluation. Ba o sala bangui l'oté. Et le ministre de l'Intérieur. Ba o sala l'oté. Ba o sala. Il a instruit, ba bourgmestre en commune, nyon soya. Les pauvres bourgmestres. Ba kiré ba kanivou dans 48 heures. Ba kiré on a mboni. Il paraîtrait que ce sont des. Bon, bino ba tout na bino ki, c'était ba kiré on a mboni. Oh. Bon, Babourou, mais c'est pas son bon, c'est pas son bon. Babourou, mais mariage, pas acte de naissance, il y a un mariage. Bonjour, ma foi. C'est la fond du fonctionnement. Ah, Nzambe na ma. Donc, c'est votre sang, Nzambe. Babourou, mais c'est nous, on y va, on va yanker. Oh, bah, Fanny, bah, ça, il va 20 ans. Pourquoi tu vas faire 20 ans, ma mousse, mon avis, oui, bien. Mais, et là, on est big, ça, bah, mariage, bah, je suis à ta Maroula, bah, je suis à ta Kitty,
Parce que tu as moi 200, 300, ce mariage, ça, 20 mariages dans samedi, j'ai moi 4000 dollars. Et bien, je vais vivre dans le alors, moi, je vais vivre dans vivre monde. Je vais vivre dans le monde. Je vais vivre dans le monde. Et on a le but tout simplement. Les gens qui sont dans le monde, qui ne peut pas qui ne peut pas être là, ils ne peuvent pas être là. Ils ne peuvent pas être là. Mais qui ne peut pas être football, on a des épaves où ils ont gêné Babalabala. Épaves, c'est-à-dire, car moi, je suis là. Mais car moi, je suis là, je suis là, car moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis quand nous faisons là. Il faut foutre à 150, soit 150, soit 150 dollars. Il y a un défaut, foutre à pas bien, mais maintenant, moi, je pose la question. Ils ont entré à l'État. Moi, on est dans le trésor public, ou ils ont dans la poche à battre. L'État n'a pas commencé à dormir dans le bail tout à l'heure. Alali Naye, ministre intérieur, félicitations. Azaka expert à Golombola va gouverner. Oh. Et ministre Cyril Makassi n'a eu des chances va gouverner. Il est en tout cas expert. Autre chose à ça raté. Un ministre qui va se permettre de nous kangabaroulage dans Zela Yanabango. C'est la première fois dans le monde. Dans le monde, n'a évité le monde côté M. Soizali. Mais dans le monde, tout ça, c'est la première fois dans le ministre intérieur qui kangabaroulage, il va se faire un bureau filmé. On va dans la caméraman Nabango. Allez filmer. Nous sommes là inspecter les amis. Inspecter la police, bureau. Bureau, affaire, bureau. Et on a vu que le monde n'a pas évolué. Tout évoluer. Tout le monde a copié, Qui ne peut pas tout le monde a fait, tout le monde a fait, il y a tout le monde a fait. Il n'y a pas de jamais que le mon frère, ce qui est carassique, c'est le miau. Et pas mon goût, il y a pas ma pomme et koufa et télémi pembeni qui kalung et gonzo à karasika. Alors je vais pas fêter. Ah, tu es papa. Et pas pour ça, on est. N'est-ce pas que l'on a dit? Oh, bon, on a pas que l'on a dit. Mais moi, au Kangaba civil, on va chauffer dans ma moto. Bon, que le Kangaba Kuluna police a dit tout ça disposé. T'es pas ni y'a pas de moyens. Tant au Kangaba tu vas Kuluna, banane bat toi sérieux. Oh, c'est un rabat. Ça, c'est regrettable. Aujourd'hui, je vais dénoncer beaucoup de choses. Le comportement de la police n'a pas sauté, mais la conduite de la police n'a pas sauté. Comment voulez-vous qu'un policier Kanga, un opérateur économique, ait une dénomination à mérité? Quand on sait que dénomination à mérité, c'est une infraction économique. Or, une infraction économique a une conséquence pécuniaire, c'est-à-dire amende. L'État a besoin d'amende, on a besoin de diamants, de mamélébélé. Donc, un opérateur économique, ait une dénomination à mérité, pour que Kanga ait un document, Monsieur, pourquoi tu as une dénomination à mérité? On a été na bosse na justement allez note à DG Radiango qui nous fout à 100 dollars qui nous fout à 200 dollars et ça entre à l'État mais c'est ça police azo ça là quand nga mutu opérateur économique là il dans cachot après fouti 300 dollars pour abima 300 dollars na poche et bolini ba américain ba autant pour ça là nekonanga je vous dis ça c'est un défi vous demandez les investisseurs américains ba pour ça là na RDC chaque jour président Namiso Manongangi n'est pas Joe Biden chaque jour. Parce que quand vous arrêtez les Indiens, les Pakistanais, n'avez pas besoin d'Indiens, parce qu'on a gouvernement, n'avez pas okay. Premier ministre, on le battait, président, on le battait. Mais vous arrêtez un seul Américain, ou un opérateur économique, pour une infraction purement économique. Monsieur Joe Biden a oublié un gâteau, c'est qu'il doit le. Alors voilà, on a besoin de comment est-ce que vous vous comportez. Donc, qui ne peut pas être, sauf qu'il y a une logique, on a besoin paf. Je vous applaudis. Mais ce qui est la politique, c'est vraiment une forme de. Maître Lulu, le temps nous fait défaut. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Baïba Kolandé, c'est quoi à travers notre chaîne Congo Live Télévision? Aurélie, c'est bon, on dit comme message à Souka. Message à Souka, Isali. Congo, Isana, il y a un pays solution, mais il y a un pays à problème parce que nous aussi, nous avons des problèmes. On ne peut pas être là en train de sauver ma parents moussousou et ma famille moussousou pendant que famille ou moko yo simbate. Bon moni moto moko yo yesu a fongola ki misu. Tant a fongola misu a ebisye ki rentre chez tes parents. Moto na bouda ki abi, ah Jésus, mais pendant que toi tu dis que, que les gens te suivent, mais yo ebisye na zon la famille nangai, ça voulait dire tout simplement que nous devons rentrer tous dans la famille nabiso. Tout mon miracle, on zamba sali dans la vie nabiso. Toujours dans la famille Nabiso. Donc, comptons plus d'abord dans la famille Nabiso. Famille Nabiso, il y a Congo. Tout ça, on a Congo, tout bon, il y a Congo. Quand Congo, ça ne va pas, eh bien, écoutez, c'est difficile pour nous d'aller porter des solutions dans Mboka Moussousou. Ça, c'est un. Deuxièmement, vraiment, dans Zosenga, mon général Kasson, la ligne est trop. Mais vieux, nous avons tout possible au Salam Sala. Au Salam Sala. Au Komela, il y a une lettre, il y a le comportement de la police, on a tout ça sur le terrain. Yo yebi angote, ozali ko condamné ango. Et en plus, olobi ke, o senge pa ya chargé ya police judiciaire na yo, asa la équipe moko ya filatira kanga bato bazo bebisa lokumu na yo.
Mais on continue. Et encore, ce qui est grave, il y avait un certain monsieur Bakangaki, comme on dit Massamba, par général, il y a un et pas un chinois qui n'a pas dérangé un chinois. Général, il a ici la télévision. Mais si on entend, il y a un temps où 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 il y a Chinois n'a pas de camarade à Mokonzimoko. Donc, je suis sous la camaraderie. Ça, je dois toujours continuer à dénoncer. Ce n'est pas bien. On a eu sa réputation à RDC. Le climat des affaires est tellement trop affecté. Si tu as des gérades, tu as des gérades. Si tu as des gérades, tu as des gérades. Si tu as des gérades, tu as des gérades. Si tu as des gérades, tu as des gérades. Il y a des gens où l'État fout un mot pour la moussala. Yoko kanisate ke ba policier na yozo tindaka na terrain wana bazala expert rien to solana bango bui mawa na so vérité ba msou français pas ya alo mutane ono tindaka na sala musala c'est nul yango to lobi ke botika l'état sala musala na ina ba domaine na yinyoso place infraction infraction ezali bo sali note note wana mutane ki no futa ngona banque mbo wale te écouter mais so bozo tindaka ba toue ou tindaka wana msou so bazaba soldaté je vous dis nous avons les informations ba msou bazaba soldaté Baba, journalier ya police, mais bah tiens, bah on a baissé, bah ils nous salent comme ça en intérêt. Ça, je vais toujours continuer à dénoncer. Merci beaucoup. Il va toujours continuer à dénoncer, c'est le propos de Maître Boulou Azali Monko est parti à bienvenue le cas. Autre que le Bakou, il y aurait une émission sur Congo Live Télévision. Comme on le dit toujours, la République a besoin de gens déterminés pour que les choses changent. Peu importe nos problèmes, on est tous congolais. Qu'on se les dise. Au revoir.